Une histoire en images pour mieux connaître la richesse culinaire des restaurants palois. Le photographe Patrice Martins de Barros nous fait découvrir le plat signature de cette brasserie, le pied de cochon travaillé par le chef Jean-Pierre Festinon. Son histoire, c'est que j'adore le pied de cochon parce que mon père m'en faisait tous les samedis quand il allait au marché. Et j'ai gardé cette Madeleine de Proust. Et voilà, je voulais le jour où j'aurai mon bistrot afficher ce plat-là un peu en hommage à mon père et à la gastronomie française aussi parce que je pense que ça en fait partie. Le livre Balade gourmande, Halle de Pau, réunit des recettes, des photos des étaliers et des portraits de chefs en cuisine. On commence souvent par le plat, comme ça, ça laisse un petit peu de temps aussi à la personne de se préparer aussi, parce que c'est pas simple pour un restaurateur de se faire prendre en photo non plus. C'est pas la chose la plus évidente. Donc on commence par rentrer déjà dans une ambiance avec, parce qu'il sait faire, donc sa recette. Et après, on a un peu plus de temps, on va prendre un café, et puis après on va prendre la photo de portrait. C'est dans l'atelier photo que cette découverte gastronomique entre chef et étalier a été travaillée. Des plats et des recettes pour des produits locaux que l'on trouve aux Halles de Pau. Filet mignon, épaules d'agneau, merlu, pavé de maigre, poule au pot. Les commerçants des Halles prennent aussi la pause pour parler de leur spécialité. À la fois, c'est un guide des restaurateurs palois, c'est un guide des commerçants, des producteurs, et c'est aussi un livre de recettes. C'est un livre, on va dire, 3 en 1. Financé par la ville de Pau et les entreprises locales, le livre Balade gourmande à Halle de Pau a été présenté aux commerçants et aux chefs des restaurants, un ouvrage signature du bon goût palois.